Les autorités camerounaises annoncent le retour progressif du gaz domestique dans les marchés au Cameroun. D'enfuitage de bouteilles qui nous permettent d'enfuiter pour 8 heures de temps à peu près 128 000 bouteilles, et ce qui permettra dans les tout prochains jours d'approvisionner Douala et ses environs. Vous avez vu les postes de chargement de camions-citernes vrac. Ces postes nous permettent d'envoyer le produit à l'intérieur du pays. Nous avons deux postes de chargement qui nous permettent toutes les 30 minutes de sortir deux camions. Le prix reste inchangé. Et surtout, le prix du bouteille de gaz de 12,5 kg, c'est 6 500. Plusieurs navires sont annoncés au quai de déchargement du dépôt pétrolier de Bonabiri à Douala dans les prochains jours pour pallier ce déficit. Depuis hier dans la nuit, un navire avec 8000 tonnes métriques de gaz qui était déjà au large du Nigeria. Donc dès que le navire que vous avez vu tout à l'heure va sortir, celui-là pourra rentrer. Et ensuite, la fourchette du 25, nous aurons un autre navire qui va arriver. Et nous avons au moins 6 navires qui sont annoncés déjà de manière ferme après toutes les réunions qui se sont tenues. Ce vaste déploiement annoncé en grande pompe va-t-il définitivement résoudre l'absence de gaz sur l'ensemble du triangle national après cette crise ? Les prochains jours sont